Tu devrais rehausser ton maquillage au niveau des pommettes, chérie. Le soir, la lumière n'est pas toujours flatteuse. Maman, elles seront là dans une minute. Tu sais, la première impression qu'on donne de soi est celle qui dure le plus. Et puis, tu fais partie des grandes, maintenant. Je voudrais bien avoir le droit de sortir, moi aussi, de temps en temps. Tu n'as que 13 ans. Un jour, je m'en irai. Ah oui? Tu nous écriras quand tu seras riche? Alors, qui doit te conduire à cette fameuse soirée? Abby. Oui, et qui d'autre sera avec vous? Anna, Connie, Suzanne. Je te faxerai leurs adresses, si tu veux. Il y aura des garçons avec vous? Ce sont tous des élèves de ton âge? Maman, ce sont les gens les plus cools de l'école. Ouais, et rien ne les arrête. Mais la musique plus forte! C'est ta grande soirée, Kathleen. Chaque fois que quelqu'un rentre dans l'équipe, qu'est-ce qu'on fait? On fait! Ouais! Alors, on va au match. Mais où on va, après? Au vieux moulin, à l'entrée de la ville. C'est tout ce qu'on a le droit de te dire. Vous ne voulez rien dire d'autre? Non, tu plaisantes. Non, tout ce que tu peux te dire, c'est que tu vas te... Après cette soirée, tu seras l'une des nôtres. C'est comme une famille. Ouais. Quand vous allez me dire si vous me prenez, c'est Ethan qui décide. Ça dépendra de la façon dont tu joueras le jeu. Ouais, et du prix qu'on est prête à payer. C'est mon rêve. Si tu veux changer d'avis, c'est le moment. Non, pas question. J'y vais quoi qu'il arrive. Ah, super. Bien raison. Il faut qu'on gagne ce match à tout prix. C'est bien, ça court, Ethan, vas-y, cours! Thomas! Thomas! Ethan, on est à égalité, alors on va jouer la sécurité. Mettez le parquet en défense, il vaut mieux rester sur un match nul. D'accord. Hé, hey, on va pas rester sur un match nul. Fais-moi confiance. Ethan! 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 T'entends ça? Ouais. Tout le monde l'adore, ce mec. Ouais. C'est ça, le problème. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? C'est de l'histoire ancienne, tout ça. Tente ta chance, si ça te dit. Bleu 42! Bleu 42! Attention, à terre, en jeu! Attendre. Ah, le voilà, il a dû abréger sa séance d'autographe. Allez, qu'est-ce qu'on attend en route? C'est parti! C'est pareil qu'ils vont détruire le cinéma. C'est normal, personne n'y va. Tu vas perdre ton travail? C'est pas bien grave. Ils n'ont pas le droit de détruire ce cinéma. Tous les films que j'ai vus, je les ai vus dans cet endroit. Mais aujourd'hui, c'est le multiplex, vieux. Oui, mais ça n'a rien à voir du tout. Dis donc, tu te mêles pas un peu trop vite de la conversation des grands? Tu n'es pas encore des nôtres? Non, mon vieux, elle a raison, ça n'a rien à voir. Te braque pas, ce cinéma, c'est l'endroit le plus cool de cette fichue ville. Et tous ces petits écrans sur le multiplex. Où est l'art dans tout ça? Vas-y. Occupe-toi d'elle, Monk. Jolie cravate, Monk. Je me suis fait beau, hein, ton honneur. Wow.
À ton âge? Ça va? Ouais. Dis-moi, ça te dirait d'aller nager dans un coin où l'eau est très profonde? J'ai entendu dire qu'il y a des serpents par là, alors je n'ai aucune envie d'y aller. Celui qui t'a dit ça a raison. Les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne voient pas sous l'eau. Mais moi, je te protégerai. Non. Et si on allait se baigner complètement nu? Il n'y aurait que toi et moi sous le clair de lune. Non, on se verra tout à l'heure. Dis-moi, pourquoi tu vas pas te baigner? Tu es timide? Non, je trouve que ça n'a plus autant d'intérêt que les premières fois, tout simplement. Écoute, je voulais que tu saches que... j'aurais préféré être dans tes bras plutôt que dans ceux de Jess tout à l'heure. T'as froid? Reste pas là, viens t'asseoir. Je n'ai plus envie de m'en aller maintenant. Jamais je n'ai été aussi heureuse. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Pas ici. Ça manque d'intimité. T'en auras sûrement besoin.
Quand votre génération aura atteint son terme, les réserves mondiales de pétrole seront liquidées, épuisées. Il n'y aura plus de pétrole pour chauffer vos maisons, ni pour faire avancer vos voitures. Les scientifiques cherchent aujourd'hui de nouvelles sources d'énergie pour l'avenir. Lequel d'entre vous saurait m'en donner quelques exemples? Le solaire? Le solaire en est un. Oui, mais que faire pour des villes comme Seattle où il pleut 260 jours par an? Demandez à Sonic de vous aider. Ethan, vous pouvez peut-être nous aider à identifier une autre source d'énergie alternative, s'il vous plaît. Alors? Eh bien, Jace adore foutre le feu à ses propres flatulences. On pourrait peut-être se servir de lui pour chauffer la planète. Il a bien dit flatulence? Ethan, je crois que j'ai pas très bien saisi votre question. Il faut que votre moyenne générale ne soit pas inférieure à 12 sur 20 si vous tenez à rester dans l'équipe de foot de l'école. Alors, si vous ne faites pas un petit effort dans ce cours, vous pouvez dire adieu à votre équipe. Est-ce que vous comprenez que vous êtes là avant tout pour étudier? Excusez-moi, Madame Johnson, mais ce que vient de dire Ethan est correct. Les flatulences sont du méthane à l'état gazeux. C'est un formidable sous-produit. D'ailleurs, les usines de traitement des déchets récupèrent ce produit qui sert déjà à faire tourner un tas de moteurs. Elle nous donne un coup. Félicitations. Je suis sûre que l'équipe est extrêmement fière de vous. Ouais, c'est vrai, bravo. Le problème de ce gaz, Ethan nous l'a fait remarquer tout à l'heure, est qu'il est extrêmement inflammable, comme ceci. Nous ne faisons pas un drame de ce qui n'en est pas un. Combien de temps allons-nous devoir supporter que ces élèves fassent la loi? Ils n'ont apparemment aucun besoin d'étudier. Ils ne font pas le moindre effort en classe. Et ils arrivent pourtant à conserver une bonne moyenne. Ce ne sont que des gosses. Ne soyez pas si naïfs. Ils savent exactement ce qu'ils font. Bien, laissez-moi en discuter avec eux. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Merci. Je n'en attendais pas moins de vous. Bonjour, Madame Hines. Je vous ai vu au match. Il y avait du monde ce jour-là. C'était un beau match, il faut le reconnaître. Ethan, vous savez comment est Madame Johnson. Vous ne pouvez pas sortir ce genre de blague durant ses cours. Elle n'a aucun sens de l'humour. En fait, c'était moi. J'ai fait griller sa plante. Malheureusement, vous me voyez forcée de prendre des sanctions. Je suis votre proviseur. Kathleen, c'est vous que je vais devoir mettre en retenue les garçons au match ce soir. C'est normal. C'était une superbe passe. C'est ce qui nous a sauvés. Veillez à ce que cela se reproduise. Comptez sur moi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'en sais rien. C'est pour jouer à la vilaine dans le noir. Tu l'auras voulu. Je ne veux plus que tu vois Ethan, ni qui que ce soit de cette bande. Tu entends ce que je te dis? Tu comptes faire quoi? M'enfermer à la cave? Oh, nom d'un chien. Écoute, je sais que tu es folle amoureuse de ce garçon, j'en suis consciente. Mais je voudrais que tu n'oublies pas ce que je t'ai toujours dit. La chose la plus précieuse qu'une fille peut avoir, c'est sa réputation. Mais de quelle planète tu viens? Je voudrais surtout que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi en matière de sexualité. Ces erreurs coûtent bien trop cher. Ouais, j'en suis la preuve vivante. J'ai tellement de rêves pour toi, ma chérie, c'est tout. Merci, mais j'ai aussi les miens. Et voilà. Aujourd'hui, c'est offert. Super, merci. Hey, Kathleen, viens avec nous, laisse tomber ça. Tu vois bien que je travaille, Jess. C'est leur dernière projection, qu'est-ce qu'ils peuvent te faire, te virer? T'as raison. D'accord. Non! Tu m'as déjà une fois, mais maintenant je te surveille. Hop, j'ai fait disparaître ton caniche. Ça déplace. Oh, mon trésor, mon chou, mon bébé d'amour. Oh, où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Réponds. Alors, il te plaît, ce film? Oh, si tu m'étrangles, tu ne le reverras jamais. Ah, c'est toi, Kathleen, ça va? Attends, non!
Je te vois plus beaucoup, c'est ainsi. Au fait, c'est qui ta copine? Ah, désolé, je croyais que vous connaissiez. Sally, je suis Désirée. Je suis sûre que tu l'es. Non! La garce, ça doit me payer! Laisse tomber, de toute façon, il ne laisse jamais une fille s'attacher à lui. Non, c'est pas grave. En revanche, moi, par exemple, je suis complètement dingue de toi, et ça, tu le sais. Jess, je me sens pas très bien, d'accord? Écoute au moins ce que je te dis. Je te demande d'être à moi. Je ne suis à personne. Attention, ça marche pas avec moi, ce genre de truc. Écoute, ton couplet machiste impressionne peut-être les autres filles, mais avec moi, ça ne marche pas. Écoute, tu l'as fait avec Ethan, alors maintenant, c'est mon tour. Je t'interdis de me toucher. Excuse-moi, si on allait faire un petit tour dehors, je crois que je suis un petit peu énervé. Écoute, on peut rester très bons copains. Laisse-moi une autre chance. Je suis pas comme ça et ça, tu le sais. Pour l'instant, c'est non. Hé, hey, il fait partie de la bande. Il faut qu'il sache qu'il y a des limites. Je ne suis pas en position de juger du bien fondé de la chose. Je dis simplement que si tu prends l'argent, je garde le mobilier. Je serai l'aider dans l'affaire. Pourquoi? Tous ces bibelots que tu chéris, auxquels tu es si attaché, ne dis-tu pas toi-même qu'ils n'ont pas de prix? Bonne nuit, Tyler. Fais gaffe, tombe pas. Salut, je te raccompagne? Non, merci, je vais marcher. Qu'est-ce que tu fais là? Je traîne, c'est tout. Où est ta nouvelle conquête? Elle a voulu rentrer avec les autres. C'est pas bien grave. T'es resté pour moi? Oui, je suis resté pour toi. C'est fou ce que j'ai comme souvenir dans ce cinéma. Dire que c'était la dernière projection. Moi, j'allais voir les films dans la cabine de projection. L'inconvénient, c'est que là-bas, t'entends pas les dialogues. J'inventais mes propres dialogues. Désolée, mais ce soir, je suis pas très inspirée. Si on abordait le vrai sujet. Oui, si tu veux. Je croyais que t'étais différente des autres garçons. Je croyais que nous deux, c'était sérieux. Oui, je vois. Le grand amour. Ça en avait l'air. Écoute, Kathleen, tu comprends? Je vais partir de cette ville tôt ou tard. Et je voudrais n'avoir aucun lien qui me retienne ici. Non, je sais très bien comment tu es. Ah oui? Oui. Et qu'est-ce que tu sais sur moi d'abord? Tu bricoles sans arrêt ta voiture. Pour qu'elle soit réglée à la perfection. Ensuite, tu te mets au volant et tu pars sans savoir où tu vas. Tu enfonces la pédale et tu roules sans t'arrêter jusqu'à la dernière goutte d'essence. Et tu ne dors pas la nuit. Tu réfléchis à toutes ces roues qui rayonnent autour de la ville et qui mènent ailleurs. Tu choisis toujours celle qui mène le plus loin. Comment t'as appris tout ça? Hey! Je t'ai cherché partout, Ethan. Mais je vois que c'est peut-être pas le moment. Hein. Un de ces jours. C'est une fouteuse de merde. Ouais. Ouais. Salut, j'ai pas vu votre voiture dehors. Je me demandais si t'étais là. Non, ma mère est sortie. Je suis venu pour te faire des excuses. C'est Ethan qui t'a envoyé ici me dire ça? Ouais, il m'a dit que tu m'en voulais, alors... Écoute, Jess, il est tard. Si on en reparlait demain, hein? Laisse-moi entrer une minute. J'ai vraiment l'impression de faire du porte-à-porte. Juste pour une minute. D'accord, une minute, pas plus. Est-ce que je peux te tenir la main? J'y crois pas, tu veux même pas que je te tienne la main? Écoute, Jace,
En réalité, tu n'éprouves rien pour moi. C'est de la drague, c'est tout. Ça va pas plus loin. Non, je suis fou de toi. T'es la première fille à me faire un TFA. Jess, rentre chez toi. Je veux simplement te parler. Restons-en là, c'est mieux. Alors un baiser et je m'en vais. Je te le promets. Un baiser et je te fous dehors. Bah tu vois, je suis pas un si mauvais garçon que ça. Non. Jess, arrête. Allez, t'en as envie, avoue-le, seulement ça fait honte de le dire. Arrête, laisse-moi. Non. Kathleen. Réponds-lui que ça va. Sinon, je me la fais. D'accord. Ginny. Ça va. Rendors-toi vite. C'est facile, tu vois. Non, je t'en prie. De sa mère. Eh mais mec, cette nana est complètement nymphomane, c'est un super coup. Hey, Ben, attends-moi. Tu connais pas la nouvelle? Maman, Kathleen a pris toute l'eau chaude et elle y est encore. Kathleen, sors de là, je vais sous la douche depuis plus d'une heure. Kathleen? 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 Oh, mon Dieu, tu es gelée. Vous savez ce que Kathleen a fait hier soir? Toute l'école est au courant. Ouais. Quoi? Je croyais que je suis comme ça. Elle s'est envoyée en l'air avec Jess à préciser. Ginny, tu veux bien te préparer pour l'école? Ton bus ne va pas tarder à passer. Abby! Abby! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Non, ça va. Va au travail, s'il te plaît. Ça va? T'es rentré tôt, dis-moi. Oui, ils ont bien voulu que je parte. Tu n'as rien avalé de la journée, on dirait. J'ai pas très faim. Kathleen. Pourquoi ne veux-tu rien me dire? C'est personnel. Ginny dit qu'il y avait un garçon ici hier soir. Je sais pas, est-ce qu'il y a un rapport? Écoute, je n'ai aucune envie d'en parler, c'est clair? Je t'ai dit que je ne voulais pas de garçon à la maison. Maman, arrête! C'est vraiment tout ce qui te préoccupe, alors? Que s'est-il passé exactement? Mais bon sang, Kathleen, il faudra bien que tu me parles. Je veux t'entendre dire la vérité. Tu l'as ramené à la maison hier soir et tu as couché avec lui, c'est bien ça? Il a arraché mes vêtements, il a fini par me violer. Voilà, tu es contente? Non, je crois pas cette histoire. Quoi? C'est toi qui l'as invité à la maison, oui ou non? Je ne voulais surtout pas le froisser. Je voulais qu'il s'en aille sans faire de scandale.
Est-ce que c'est lui qui t'a touché le premier? Je l'avais laissé prendre ma main. Et ensuite, les choses sont allées un peu trop loin. Non, c'est pas ça du tout. Disons que vous vous êtes laissé embarquer. Il m'a violée! Kathleen, tu n'as vraiment rien trouvé de mieux comme excuse. Laisse tomber, tu ne veux rien comprendre! Des jeunes filles qui traînent dans les rues ne demandent que ça. C'est du moins ce que tout le monde pense en ville. Ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent, je n'en ai rien à faire. Attends, tu as fait l'amour avec ce garçon, sans vergogne, ici même, sous notre toit. Tu l'as invité à la maison, tu devais bien te douter de ce qu'allait se passer. C'est peut-être ça l'amour pour toi. Je t'interdis de me parler comme ça. Moi, quand j'étais au lycée, je savais très bien comment ça se passait. Ouais, tu savais comment ça se passait. Tu t'es retrouvée enceinte à 17 ans, t'as abandonné l'école. Je n'ai aucune leçon à recevoir de toi. Jess l'a forcé à le faire, c'est un salaud. C'est la voiture de la mère de Kathleen là-bas. Je vais aller lui parler. À tout de suite. Salut Juni. Salut. Tu veux bien aller me chercher des frites à Milchek? T'as quoi comme parfum? J'ai pris à la mûre, c'est le meilleur. D'accord, j'en veux un. D'accord. Alors? Pourquoi t'es pas venue en cours aujourd'hui? C'est à cause de Jess. Salut, Juni. Qu'est-ce que tu racontes? Salut, Jess. Comment alors, tu vas? Alors, ça roule? Alors, c'était le pied avec Jess hier? Je suis sûre que c'est ce qu'il raconte, ce connard. Ce n'est pas si grave. Je ne le voulais pas. Si tu veux pouvoir sortir avec des garçons tels que Ethan et Jess, des garçons dont toutes les fures affolent, il faut se plier à leurs envies. Pas moi. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? C'est quoi dire ça? Dis donc, je t'ai à peine touché. T'es bien comme ta sœur. Ça va, laisse-moi tranquille. Oh là là, quel caractère. Remarquez, à cet âge-là, on en fait ce qu'on veut. Juni, viens, allons-nous-en. Ouais. Kathleen, ta petite sœur a une jolie primousse. Ça lui plairait peut-être d'être l'une des nôtres, si tu veux. Je peux la former. Ça n'arrivera jamais. Quoi? Tu m'as violée. Mais c'était de l'amour, ma chérie. Salope, Jace! Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier soir? Cette salope est une menteuse! Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, ça suffit, laissez-nous une minute, c'est sérieux! Bon, bah ça va! Raconte-moi! C'est le genre de fille qui te couperait ton engin en pleine nuit, mon vieux! Tu disais que c'était elle qui t'avait sauté au cou, je comprends pas, dis-moi ce qui s'est passé! Bah, je suis arrivé chez elle, et elle m'a dit qu'elle avait envie qu'on s'envoie en l'air! Ouais, je la trouvais un peu bizarre, mais. En tout cas, elle a pris un panard d'enfer, et maintenant elle dit que je l'ai violée! On va arranger ça! Elle peut nous mettre dans la merde, il faut qu'on s'en occupe. Elle commence vraiment à être gênante. Jace, écoute-moi, d'accord? S'il veut jouer à ça, je te promets que j'en empêcherai. Ouais. D'accord? Ouais. Tiens, assieds-toi là. Et ne bouge pas, d'accord? Je peux vous poser une question? Bien sûr, je suis là pour ça. Si j'ai accepté qu'il entre chez moi, s'agit-il d'un viol? Selon les textes de loi. J'appelle une infirmière. Si je ne voulais pas le faire, s'agit-il d'un viol? Même s'il est l'un de mes amis? Écoutez, je ne fais que répondre au téléphone. Ça ne fait rien. Juni, viens, on s'en vous va. Vous lui avez dit non? Si je lui ai dit non, est-ce qu'il m'a violée? Non, c'est non. Je vois. Est-ce qu'il fait des allergies? Oui, à la pénicilline. J'en prends note. Viens pour l'instant. Nous allons le garder en observation quelques jours pour voir si son traitement est adapté ou si il merci, tu vas bien. Je comprends pas qu'elle t'ait amenée ici. Madame Rose? Oui, c'est moi, je suis la mère de Kathleen, vous m'avez appelée. Oui, nous sommes dans l'obligation légale d'informer les parents dans ce genre de situation, bien sûr. Ce que je voudrais, c'est que... Je n'en ai pas pour longtemps. Voyez-vous, c'est un sujet délicat. Je peux savoir ce qu'elle fait là? Tu veux bien me laisser à la fin? Va-t'en, s'il te plaît. Vous pouvez vous rhabiller, Kathleen. Je dois parler à votre mère. Je n'en ai pas pour longtemps. Madame Rose, j'ai examiné Kathleen parce que... elle dit avoir été violée hier soir. En aviez-vous connaissance? Est-ce qu'elle l'a été? Il n'y a aucune trace de pénétration violente. Vous en êtes sûr?
Mais ce n'est pas inhabituel pour les jeunes filles de sa catégorie. Je ne vous suis pas. Qu'entendez-vous exactement par là? Et les jeunes filles qui sont sexuellement actives. Et vous dites que vous ne savez pas si elle a été violée ou non? Je ne saurais l'affirmer. Mais vous lui avez donné un test de grossesse? Non, c'est inutile, il est encore trop tôt. Je voulais simplement qu'elle me dise la vérité sur ce qui s'était passé. L'a-t-elle fait? Tout à coup, elle a balancé qu'il l'avait forcée à avoir ce rapport. Vous savez, des études ont montré que les victimes de viol réagissent souvent de façon violente parce qu'elles ne savent pas comment gérer le malaise qui en découle. Oh non, je lui ai dit que je ne la croyais pas. Oh chérie, je te demande pardon. Je suis vraiment désolée. Tu sais qu'ils ne peuvent rien prouver. On portera plainte contre lui. Ce sera ma parole contre la sienne. Je sais, je sais. Je voudrais pouvoir oublier ce qui s'est passé. On fera tout ce que tu voudras. Tu verras, chérie. On fera tout pour oublier. C'était là quand je suis arrivée ce matin. Le concierge, lui, n'arrive qu'à 8h. Alors vous avez permis que tout le monde voie ces inscriptions diffamatoires sous prétexte que le concierge est le seul à nettoyer les murs de cette école. Attention, c'est une histoire qui peut aller loin. Il s'agit de ma fille et de sa réputation. Nous avons fait de notre mieux pour les dissimuler. Vous avez mis des bâches par-dessus et c'est tout. Ce genre de choses arrive malheureusement fréquemment dans des écoles comme celle-ci. Évidemment, nous condamnons ces agissements. Ah, vous avez alerté la police? Pourquoi irait jusque-là? Il n'y a pas de conséquences. Tiens donc. Écoutez, je voudrais que vous trouviez chacun des élèves qui a fait ça et que vous les expliquiez. Mais nous savons pas encore qui a fait ça. Tout le monde ici sait qui a fait ça. C'est Ethan et Jace et ceux de cette équipe. Ce ne sont que des mots inscrits sur des murs. Votre fille ne court aucun danger. Et que voulez-vous? Les garçons s'amusent comme ça. On ne peut pas salir les gens. Avec la moyenne que j'ai et les cours préparatoires aux grandes écoles, je peux quitter l'école et passer l'examen en auditeur libre. Je retournerai en classe le semestre prochain. Non, tu n'es pas prête pour étudier toute seule, tu n'as que 17 ans. Maman, tu ne sais pas de quoi ils sont capables. Écoute, il est hors de question qu'on quitte la ville à cause d'eux. Toute cette histoire finira par se régler, de toute façon nous n'avons rien à nous reprocher. Sans compter qu'il y a aussi le problème de tes examens, tu as toutes les chances de réussir. Je ne vois pas pourquoi tu perdrais une année à cause de cette bande. Maman, il faut être réaliste, c'est foutu tout ça pour moi. Je n'ai plus d'avenir ici à cause d'Ethan et de Jace. Pourquoi ne reconnais-tu pas que tu ne veux pas que je te quitte? Oh, Kathleen, non, ça n'a rien... Non, je ne suis pas comme toi. Je me fous pas mal de cette ville, moi. Hé, hey, poupée, tu dois être bonne. Ouais. Tu vois?
Tu sais, je n'ai pas été surprise quand j'ai vu ça. Je savais qu'il ferait quelque chose. Je n'ai même pas porté plainte. Ça ne leur suffit pas. Ils ne veulent surtout pas que quelqu'un leur tienne tête comme tu l'as fait. Encore moins si c'est l'une d'entre nous. Je viens d'entrer dans cette équipe et pour moi, c'est déjà fini. Tu sais, quand ils se retournent contre toi, il y a ma pauvre à l'école, tout le monde se tient à l'écart. Et toi, tu es là. Hé, je suis ta meilleure amie. Et ça ne changera jamais. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils arrêtent? Ethan. Ouais. Oui, Ethan est là. Il est sans doute au garage à travailler sur sa voiture. Il adore cette voiture. Vous êtes sa mère? Oui. Vous êtes sans doute une camarade de classe. Une amie alors? Oui. Nous nous connaissons assez bien. Merci. Vous l'avez déjà vu jouer au football? Oui, il est formidable. Allez-y. Ta mère m'a dit que tu étais là. Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu un accident. Pourquoi tu t'intéresses à elle tout à coup? Elle a l'air gentille, c'est tout. Écoute, je sais que c'est toi et Jess qui avez écrit toutes ces horreurs sur les murs de l'école. C'était un avertissement. Ça ne te regarde pas du tout. Ça ne regarde que moi et Jess. Kathleen, dans l'équipe, on est tous solidaires. On est seuls face au monde. Je croyais que t'avais compris au moins ça. Pourquoi est-ce que j'aurais menti? Qu'est-ce que j'aurais à y gagner? Pourquoi voudrais-tu que Jess et moi nous commettions un viol? On a des filles qui nous suivent partout, tout le temps. Jess ne le fait pas pour le sexe. Il aime faire du mal, il n'est heureux que quand il cogne. J'ai l'impression que tu crois vraiment que cette histoire est vraie. Je te trouve même plutôt convaincante. Avant, je trouvais que votre équipe était géniale. Je voulais en faire partie. C'est parce que Jess t'a dit que j'ai couché avec lui, tu ne dis plus rien? Ce qu'il a dit est faux. Ça n'a aucune importance. Dans un an, je jouerai peut-être au football à Los Angeles. Tu te fais des idées. Tu n'es qu'un petit footballeur d'une petite ville de l'Illinois. Va-t'en, je t'ai assez vu, d'accord? Ouais, ta Chevrolet tourne à la perfection. Mais tu n'as aucun endroit où aller. Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Attends, Kathleen. Non. Kathleen, n'y va pas. Laissez-moi passer. La voilà, laisse tomber. C'est quoi ça? T'as un problème? Hé hey, mais t'es cinglé. Hey, arrêtez les filles, ça suffit! Espèce de putain! Attends, c'est Mika! Hé, c'est du catch féminin? Tu m'as putain! Il faut faire quelque chose! Laissez-moi passer, ça suffit! Arrêtez maintenant! J'ai fils! Non, ça suffit! Ne me touchez pas, vieille salope! Je vous interdis de me parler comme ça! Va te faire foutre, vieille bique! Non! Je vais la tuer! Elle n'a pas le droit, non! Ah, laissez-moi! Laissez-moi! Madame Johnson, quel droit?
attention, vois-tu. Ouais, écoutez, il faut vraiment que je lui parle, c'est important. Bien, je lui dirai que vous avez appelé. Qui êtes-vous? Vous êtes sa mère? J'ai couché avec votre fille. Dans votre propre lit. Vous êtes cinglé. Non, j'aime bien votre lit avec tous ces jolis coquillages sur les draps. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Maintenant, tu m'attends ici, ce ne sera pas long. Quand j'en aurai fini avec ces deux-là, ils viendront te faire des excuses. Ça m'étonnerait que ça change quoi que ce soit. Ils sont censés diriger cette école. Ouais, c'est vrai. Nous pensons qu'il est nécessaire de renvoyer Kathleen, provisoirement, bien sûr. Quoi, vous allez réellement renvoyer Kathleen? Alors là, je ne vous comprends pas, elle n'a rien fait de mal. Elle a l'air bien trop perturbée pour assister au... Oh, mais elle a de quoi être perturbée. Elle a été violée par un de vos élèves. Elle est harcelée tous les jours dans cette école. Madame Rose. Et vous ne faites rien pour la protéger. Rien du tout. Au contraire, vous laissez ces athlètes faire ce qu'ils veulent dans cette école. Ce qui compte pour vous, c'est d'avoir la meilleure équipe de football. Vous allez vous calmer et m'écouter. Si Kathleen a été violée, pourquoi n'avez-vous pas porté plainte? Il arrive souvent que les jeunes colportent des ragots entre eux, et en particulier quand leurs amours ne marchent plus. Non, je sais qu'il ne s'agit pas de ça. C'est ma fille et je la crois. Ce sont des choses qui arrivent quand on vit dans une petite ville. Ce sont des gamins. Elle n'a pas grand-chose à craindre d'eux. C'est pas vrai. Bon sang, vous ne faites rien pour protéger ma fille et vous voudriez que je l'admette? Vous croyez que c'est le rôle de l'école de se substituer à la police? Écoutez, je connais les textes de loi. On n'a pas réussi à prouver qu'il y a bien eu viol, mais il y a une loi fédérale appelée Titre 9. Et cette loi dit qu'il appartient à l'école de protéger les jeunes filles du harcèlement sexuel dans ces murs. Madame Rose, je crois que vous allez un peu trop loin. Et je ne vais pas en rester là. J'ai déjà écrit à l'ODC. À l'ODC? L'Office des droits civils. Ministère de l'Éducation à Washington, D.C. Je leur ai dit ce qui se passe ici. Et je leur ai bien sûr demandé d'envoyer un de leurs enquêteurs. Voulez-vous nous excuser un moment? La graine ne tombe jamais bien loin de l'arbre, en tout cas. Le fait est qu'elle a raison à propos de cette loi qui protège les enfants. Elle s'est bien renseignée. Peut-être, mais je ne vais pas laisser cette garce entacher la réputation de l'école et s'en prendre à ces deux formidables garçons. Ils ont un bel avenir devant eux. Vous savez ce que vous risquez si la presse s'empare de cette histoire? Je suis allée à l'école avec Evan Rose. Elle n'a jamais rien fait de sa vie, en dehors de vendre des robes bon marché. Non, c'est du bluff, tout ça. Oh, ils vont mieux jouer la sécurité. Faites un geste pour la calmer. Je vous suggère de suspendre les deux garçons pour leurs deux prochains matchs. Le casier de la putain. Suspendre tous les deux pour deux matchs jusqu'à ce que les choses entre vous et Kathleen Rose se soient calmées. Je suis navrée. Allez, bon match, les gars, je compte ça. Les mecs, c'est pas cool. C'est moi. Attends, ne raccroche pas. Je croyais que tu serais toujours mon amie. Je t'ai appelée 10 fois au moins. Écoute, c'est vrai, j'ai été salope avec toi. Je le reconnais. Je le regrette sincèrement, tu sais. Écoute, il faut qu'on parle. Ethan aussi voudrait te parler. D'accord, où ça? Je passe te prendre après le match, on va régler tout ça. D'accord. Salut.
Dépêche-toi. Ethan, t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est! Pas du tout les crêtes, tu sais. Ta vie, le sang, elle l'aura voulu. Salope, tu t'es retourné contre nous, maintenant on va s'amuser. Deux matchs de suspension à cause de toi, on pouvait pas en rester là. T'as pas encore compris, on dirait, hein. Faire la fin, donc, il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait en bas. On a essayé de te mettre en garde, mais tu nous as pas écouté. T'es une traîtresse. Et les traîtres méritent une bonne leçon. Hé, les mecs, comment on va lui faire payer ce qu'elle nous a fait? Lâchez-moi. On la poit poil, c'est ça qu'elle veut. Coupons-lui les cheveux. On va lui couper les cheveux. Allez les gars, tenez-la bien. Non. Alors Kathleen, t'es prête? Allez, allez. Je vous en prie, lâchez-moi. Qu'est-ce que tu portes ça, hein? Attendez. Hé, les mecs, laissez-la moi, je vais acheter le travail. Allez, laissez-la moi. Pitié. Pitié. Ça va, les gars, ça va, arrêtez. Arrêtez, laissez-la, elle a son compte maintenant, ça suffit. Vous entendez? Ça suffit, laissez-la. Comment ça, elle a son compte? J'ai, ça suffit, elle a son compte maintenant. Je te trouve bizarre, on dirait... On dirait que tu regrettes. Bon sang, je voudrais tellement pouvoir tailler la route. Tourner le dos à cette ville une fois pour toutes. Cette route ne va nulle part, elle ne mène qu'à une autre ville. C'est partout pareil, de toute façon. Il doit bien y avoir quelque chose là-bas. Il y a forcément des endroits où la vie est différente d'ici. Ethan, si on faisait l'amour, tout de suite sur ce toit, comme on le faisait avant. Tu sais, je comprends tout. Tout quoi? On devient cinglé, comme des rats en cage, alors on se dresse les uns contre les autres parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Ça a toujours été comme ça dans cette fichue ville. Tu comprends rien à ce que je te raconte, hein? Secteur 12, attaque à Mar, mais dans une station servie, je répète. Voiture 43 et 52, intervenez secteur B12. Non, maman. Kathleen. Les choses ne feront qu'empirer tant que nous ne porterons pas plainte. Alors pourquoi n'auras-tu pas dit ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre eux? Que tu te défendes, ma chérie, contre toute la ville. De toute façon, moi où j'en suis, demain j'appellerai cet enquêteur de Washington. C'est à mon tour de les harceler. Bonjour, Kathleen Rose habite ici? Oui. Kathleen? Maman?
Il y a 2 ans seulement que la Cour suprême a décidé pour la première fois qu'en application de ce décret... Ah, excusez-moi. Les élèves ayant fait l'objet de harcèlement sexuel à l'école peuvent porter l'affaire devant la justice. Il n'y a pas encore eu de verdict exemplaire dans ce pays. Il se pourrait que cette affaire soit une première. C'est à Kathleen de savoir jusqu'où elle veut aller et si elle se sent assez forte. Oh, eh bien, nous sommes prêtes à nous battre jusqu'au bout. N'est-ce pas, chérie? Oui. Oui, jusqu'au bout. Je pense avoir un récit assez complet des faits dans la lettre que j'ai reçue concernant l'école, notamment. Cependant, j'avoue que je ne comprends pas encore pourquoi. Pourquoi vos amis vous font ça? Je pense que les filles le font par jalousie. Kathleen est une élève assez douée. Elle est la plus mignonne aussi. Ethan et Jace sont les deux meneurs, alors... Non, mais regardez. Regardez ce qu'ils ont fait à ses cheveux. Elle avait des cheveux superbes avant. Ils ont tout saccagé. Il nous a fallu des heures pour essayer de les arranger un peu. Ça vous dirait de déjeuner en ville avec moi? Mais bien sûr, je vais mettre une veste et j'arrive. Non, voyez-vous, Madame Rose, il est important pour la procédure que j'interroge Kathleen seule. Oh, bien sûr, je comprends. Oui, bien sûr. Oui. Kathleen est d'accord, n'est-ce pas, chérie? Mademoiselle? Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est ici que les supporters viennent après les matchs. Ils doivent être en pétard. Ah oui. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je l'ai cherché? Kathleen, je crois que personne ne cherche à subir de telles choses. Par ailleurs, ça ne me regarde pas. Vous pouvez coucher avec tous les garçons que vous voulez, je m'en moque. Je viens pas défendre la moralité. Je suis là pour défendre vos droits. On n'a pas le droit de vous harceler sur votre vie sexuelle. C'est aux autres qu'il faut le dire. Kathleen est une salope et depuis des semaines sur les murs des toilettes. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous avez dit là? Vous avez dit des semaines? Donc le proviseur savait qu'il y avait des graffitis sur vous, mais elle ne les a pas fait retirer. Non, c'était une façon de se venger. Ah, je vois. Alors elle laisse les graffitis sur les murs comme si ça n'était pas grave. Ça signifie aux autres qu'ils avaient son accord. Ces choses-là arrivent très souvent. Je veux dire, on en trouve dans tous les lieux publics. Partout, les gens écrivent des choses sur certaines filles. Ça aussi, c'est du harcèlement. Il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. Il y a une loi contre ça. Et c'est là que j'interviens. Écoutez, Kathleen. Dans ce métier, on est amené à se rendre souvent dans des petites villes comme celle-ci. Et dans la plupart des affaires de droit civil, la personne victime de harcèlement, c'est quelqu'un de différent des autres. Les gens ont peur de tout ce qui est différent. Je ne suis pas différente des autres jeunes d'ici. Si, vous ne jouez pas le jeu des autres. Je vais répondre, maman. J'y vais. Allô? Salut, Kathleen. Kathleen? Écoute-moi bien, espèce de petite garce. Je suis sûr que tu m'écoutes. Si jamais tu as le culot de remettre les pieds à l'école, on va te donner une bonne petite leçon. Seulement cette fois, on va t'emmener dans nos vestiaires. Et tous les gars de l'équipe te prendront chacun leur tour. Nous avons une règle de principe qui veut que les autorités passent dans mon bureau avant de visiter notre école. J'ai rarement vu des graffitis aussi pervers que ceux-ci. Je suppose que vous n'étiez pas au courant, évidemment. Au contraire, nous essayons de trouver comment les effacer. Ah. Excusez-moi, mademoiselle, vous avez du dissolvant pour les ongles? Oui. Je peux vous l'emprunter? Merci. Pour enlever le vernis à ongles des murs, rien ne vaut le dissolvant. Silence, s'il vous plaît. Voici un enregistrement d'un coup de téléphone qu'un élève a donné à Kathleen Rose. Il sera utilisé au tribunal contre cette école. Je suggère que vous l'écoutiez. Vous aurez une idée très nette des ennuis qui vous attendent. Tu l'avais, pourquoi t'as pas tiré? Ça va, mon vieux, on a assez tiré pour aujourd'hui. C'est Kathleen, c'est ça, hein? Cette petite garce. Elle te trotte dans la tête. Jace, on lui a réglé son compte, ça suffit, elle vient même plus en cours maintenant. Ouais, ben moi j'en ai pas fini avec elle. C'est la meilleure que je me sois faite. J'adore ça quand elles se débattent. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Eh, pour les filles, non, c'est oui, tu vois ce que je veux dire. Une minute.
Ce qu'elle disait était vrai? Tu me fais rire. Jace! Tu l'as vraiment violée ce soir-là? Je vais donner une leçon. C'est vrai, c'est à nous de mater tous ceux qui s'opposent à notre volonté. On a maltraité cette fille sans la moindre raison. Elle était une menace pour nous, Ethan. Si on l'avait laissé nous prendre de haut, le reste de la bande en aurait fait autant. De toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est du passé. On se fout pas mal de cette garce. Le chien a vu quelque chose. Qu'un fils de pute! Qu'est-ce que tu fous, Jace? Tu sais la biche qu'on a abattue l'an dernier, quand elle s'est affalée par terre? Je me suis demandé ce qui pouvait se passer dans sa tête. Elle savait qu'elle allait mourir, que la lutte était finie. Elle regardait de ses grands yeux celui qui lui avait fait ça. On est dans cette bande pour s'amuser. Elle était dangereuse pour nous! Non, mec, elle était dangereuse pour toi, c'est tout. Tu veux que je te dise, Kathleen avait raison, t'es complètement cinglé. Je pense qu'on a besoin d'un nouveau chef. De quelqu'un de solide, cette fois. Voilà ton dîner. T'es toujours la plus jolie femme de la ville, maman. Toi, tu passes bien trop de temps avec ta vieille maman. Tu devrais être avec une jeune fille et la complimenter, elle, pas moi. Alors, tu ne veux pas m'en parler? Eh bien, j'ai rencontré une fille super à l'école et je pense à elle tout le temps, mais... C'est la jeune fille qui est venue te voir l'autre jour? Je me suis mal comportée avec elle. J'ai toujours été très fière de toi. Je sais que tu n'es pas un mauvais garçon. S'il était là, ton père serait fier de toi. Non, je crois pas. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, chérie. Parle, j'ai des choses à te dire. S'il vous plaît. Ça ira. Alors? Jace m'a dit la vérité. Je vois, ton cher copain s'est trahi. Alors maintenant, tu veux bien me croire? Ça me réchauffe le cœur. Attends, c'est pas ce que je voulais dire. C'est facile de revenir vers moi maintenant en se disant que tout ira bien. Écoute, essayons de recommencer à zéro, de faire comme si rien ne s'était passé. Faire comme si rien ne s'était passé? Ça s'est passé, justement, et c'est toi le meneur, c'est toi le... Oui, j'ai fait une grave erreur, d'accord, j'ai fait une erreur. C'est pour ça que je veux faire tout ce qu'il faut pour me racheter. Donne-moi une chance. Je n'ai pas besoin de toi. Je ne veux même plus de toi. Tu es dans toutes mes pensées. Je crois que je vaux mieux que ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je sais plus du tout où j'en suis, ni ce que j'éprouve. Et en ce qui te concerne, j'ai des sentiments très flous. Écoute, si tu veux, laisse-moi venir un jour chez toi et t'inviter pour la soirée, d'accord? Je serai très correct, je resterai au salon, je discuterai avec ta mère, je t'apporterai des fleurs et des chocolats, je ferai tout ce qu'il faut faire. T'es fou ou quoi? Ouais. Je suis fou de toi. D'accord. On va voir comment tu te débrouilleras quand tu seras aussi égaré que moi.
sont à ta recherche. Si on fichait le camp de cette ville pourrie, et qu'on ne revienne jamais. Dans cette église depuis la mort de mon père. Il a été enterré là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort, c'est tout. Personne ne faisait attention à lui, puis un jour, il nous a laissés. Alors, tu t'es occupé de ta mère? Oui, je fais en sorte qu'elle manque de rien. De ce que j'ai fait. Écoute, je crois qu'on devrait d'abord faire ce qu'on a à faire. Et qu'est-ce qu'on a à faire? Il faut qu'on rentre. La ville contre nous à présent. On ne peut plus compter que l'un sur l'autre. Il faut en finir avec cette histoire. Tu risques d'y laisser tout ce que tu as. Tu ne seras plus un héros aux yeux des autres. Je suis pas un héros. Je suis qu'un petit footballeur dans une petite ville au fond de l'Illinois. Réfléchis à ce que tu fais. Si on rentre maintenant, ils ne nous laisseront pas être ensemble. D'abord qu'il me passe sur le corps. Je rappelle que vous avez prêté serment. Avez-vous incité vos amis à harceler votre camarade de classe, Caitlin Rose?
Oui, je l'ai fait. Jace, avez-vous volontairement participé d'une quelconque façon au harcèlement de Caitlin Rose? C'était une idée d'Ethan. C'était notre chef, vous savez. Je ne faisais que suivre ses ordres, c'est tout. Quant à elle, je l'aime bien. Néanmoins, vous y avez participé. Vous savez, dans une petite ville, il vaut mieux jouer le jeu. Oui, bien, est-ce que vous réalisez que votre participation au harcèlement de cette personne vous fait perdre vos droits à la scolarité? Je paye cher mon erreur, monsieur. Je ne pourrai plus jouer au football. Ce coup de couteau m'a abîmé les muscles. Je crois que j'ai compris la leçon. J'espère qu'on me prendra dans un autre établissement, celui où était mon père, peut-être. Tout ce que je veux, c'est pouvoir poursuivre ma vie vers d'autres challenges. Je vous remercie. Moi aussi, monsieur. Ce genre de choses a toujours eu cours dans les grandes classes. Toutefois, j'avoue que ce cas nous a aidé de façon considérable à éveiller notre conscience sur la gravité du sujet. Monsieur Clark, vous représentez la direction des écoles du district. Est-ce que vous partagez le point de vue de Madame Hind? Non. Nous n'avons pas su mettre un terme au harcèlement sexuel dont cet élève était victime. Nous étions conscients de la chose, mais nous n'avons pas protégé Caitlin. Je ne suis même pas sûr que les gens savent bien ce que le mot harcèlement signifie. Ils sont tellement enfermés dans leur mentalité, si imprégnée de machisme. Nous avons beaucoup à apprendre encore. Oui, eh bien, êtes-vous conscient du fait qu'en conséquence de cette affaire, le gouvernement peut supprimer les aides fédérales qu'il alloue au district que vous gérez? Nous allons changer notre façon de voir les choses ici, monsieur. Salut. Alors comme ça, tu t'es trouvé une maison? Ouais. Oh, c'est pas génial, mais je ne vis plus chez mes parents, c'est déjà ça. Tu as l'air fatiguée. Oui, j'ai toujours des nausées le matin. Et tu sais, toute seule... Tu es enceinte de Chase. Oui, mais... Il n'a pas été très délicat. Ni très gentil. Pourquoi as-tu voulu garder ce bébé? Je veux dire, tu ne ressens rien pour Jace. Et de son côté, il doit se foutre pas mal de toi et de l'enfant. C'est difficile à expliquer. J'ai senti au fond que... De cette façon, j'aurais enfin quelqu'un qui saurait m'aimer. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, je sais pas pourquoi tu me parles encore. Après tout ce qu'on t'a fait, je sais pas ce qui vous a pris. Tu as refusé de te laisser faire. Personne ne l'avait fait. Mais c'était pas une raison pour me haïr. C'en était une. Parce que si tu disais la vérité sur ce qui se passait vraiment dans la bande, on serait toutes passées pour des salopes. Il faut que j'y aille. Je n'arrive pas à croire que tu vas à l'université. À l'école des grands. T'es sortie d'affaires. Tiens! Oh! Merci, t'es un amour. Je voudrais partir avec toi. Je garderai toujours une petite place pour toi. D'accord. Bah, allez. Chérie, je t'ai trouvé un sac pour les cours. Comme ça, tu ne chercheras pas tes affaires partout. Ça t'aidera à être organisée. Oh, ma chérie. Ah, génial. Un gros bisou à trois avant qu'elle s'en aille, d'accord. Sauve-toi. Je vous appelle en arrivant. D'accord.
Au revoir. Au revoir. Bonne chance. N'hésite pas à appeler à n'importe quelle heure. Sois prudente sur la route. Ça y est, tu quittes la ville? Oui. C'est bien. C'était la meilleure chose à faire, je crois. Comment tu peux rester ici? Qu'ils ne veulent plus de toi, pas plus que de moi. Tu disais toi-même plutôt crever que de rester cloué ici. Oui, mais je crois que j'ai gaspillé la seule chance que j'avais de partir. Qui a dit qu'il n'y a plus de justice dans le monde de nos jours? Tu vas me manquer. J'aimerais bien que quand on aura fini avec tes études, que tu reviennes me voir.